Salut, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette belle vidéo. Je vais être bref avec vous. Quand je suis calme, on trouve toujours quelque chose à dire. Quand je deviens sage, on trouve toujours quelque chose à dire. Il y a l'impression que c'est quand ici croit là, ça vous met jour. Ça vous met bien jour. Je vais vous rafraîchir la mémoire parce que là, je suis en train de voir un peu sur les réseaux sociaux. Les gens veulent essayer de faire retournement des situations. Genre, ouais, Arafat fait tout ça, tout le temps, c'est lui qui fait les classes. Ça n'a rien à voir. Hein. Je ne vais pas me lever comme ça pour venir parler du grand frère Asalfo si je n'ai pas mes preuves. Je ne vais pas me lever comme ça pour faire des vidéos à la con si je n'ai pas de preuves. Je ne vais pas me lever pour faire des vidéos si je n'en ai pas marre, en fait. Je vais vous rafraîchir la mémoire rapidement. C'est vrai qu'il y a dans ma vidéo, peut-être j'ai fait une erreur quand j'ai dit est-ce qu'il m'a déjà invité au Fémur. Mais c'est parce que moi, aujourd'hui, Arafat, le stade que j'ai rempli 6 fois le palais de la culture. Donnez-moi le nom d'un seul artiste ivoirien. Je ne parle même pas de coupé décalé. Donnez-moi le nom d'un seul artiste ivoirien qui a rempli 6 fois le palais de la culture. Donnez-moi le nom d'un artiste ivoirien qui a vendu des tickets à 20 000, 15 000, 10 000 en Côte d'Ivoire. Artiste ivoirien, il n'y en a pas. Je ne sème pas la division dans le coupé décalé. Je ne rentre pas en clash avec mes collègues. Rappelez-vous, quand moi je moussais, et je mousse toujours, le premier concert de Serge Benoît, quand vous étiez en train de lapider parce que Serge Benoît était en retard avant de venir chanter, qui est venu le sauver? C'est qui est monté sur scène pour calmer toute la foule? C'est moi. Lorsque je suis rentré, on a commencé nos prestations, on a tué. La foule s'est calmée et Serge Benoît est venu tuer. Le dernier concert de Kedjebara, j'étais là-bas, j'ai soutenu. Le concert de DJ Mix, j'étais là-bas, j'ai soutenu. J'ai clashé, j'ai eu à clasher des collègues coupés de calais parce qu'ils m'avaient clashé. Fallait que je réponde, je ne suis pas un pédère, on ne pèse pas dans mon cul. Fallait que je leur réponde parce que moi là, ça ne reste pas dans mon ventre. Tu as fait, je te parle. Là au moins, tu sais que je te dis. Et puis c'était pour encourager mes collègues à travailler. Donc, dis pas ça le faux. On n'y a pas de preuves. Tu dis que c'est pas toi qui as fait l'artiste, l'affiche des artistes qui devaient prester pour la BAD. Voici la programmation des artistes qu'il y avait. Voici la programmation des artistes qui doivent prester, qui devaient prester pour l'événement qui aura lieu ce samedi. Vous voyez bien, il y a Serge Benoît dedans. Tu dis que c'est pas toi qui as fait le programme. Mais, Gaou Production, moi, voilà là, c'est quoi? Est-ce que vous voyez bien? On voit bien? Oui bien, Gao Production, j'étais dans cette liste d'artistes et tu m'as enlevé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné plus de 300 millions pour organiser la fête à la BAD. Comme la BAD a disparu du pays depuis longtemps, ils reviennent donc c'est normal qu'on leur fasse une fête. Mais puis ben, tout le monde sait ça manger. Moi, rien que toi, il t'a jamais manqué de respect. Il n'y a rien fait. Pourquoi? Parce que tu as un service de communication très puissant au niveau d'Abidjan. Depuis ma vidéo, tiens, ton service de communication là, ils sont en train d'essayer de nettoyer un peu les choses, de camoufler, de retourner la situation comme moi. Mais j'ai mes preuves. Tu m'as dit, tu m'as eu au téléphone que tu n'as rien à voir dedans. Mais je vois Gaou Production, je vois Serge Benoît. Et dans la nouvelle artiste, dans la nouvelle affiche, qui est en ce moment du côté d'Abidjan, voilà. Il y a plus Serge Benoît, il y a John Yale, il y a Maman Chakone, il y a toute une galette d'artistes. Ok, mais il n'y a pas ton logo. Oui, effectivement. Parce que tu viens de faire Fémur. Donc ça a fait un peu bizarre que les Ivoiriens voient encore que tu suis encore sur ce coup. Mais tu es ambassadeur de la musique ivoirienne. Si le gouvernement doit organiser des événements comme ça, ils vont te confier la tâche puisque tu es l'ambassadeur de la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Mais t'es rien fait. T'as un moment pour moi, tu me mets dedans. Chers Ivoiriens, respectez-moi un peu. J'ai fait 6 fois le palais de la culture. J'ai rempli le palais de la culture 6 fois. J'ai remporté le courant en tant que meilleur artiste africain. En tant que meilleur artiste aussi d'Afrique de l'Ouest, j'ai remporté les Koundé. Je me suis battu et je me bats toujours pour le coupé décalé. Des gens sont en train de visser le coupé décalé. Et quand il y a la vérité, il faut le dire. Il faut le dire et je dis, j'en ai marre. À qui veut l'entendre, j'en ai marre. Tu as toujours dit que le coupé décalé ne véhicule pas de message. Mais tu produis bien Serge Benoît. J'ai rien contre Serge Benoît, c'est mon poteau, c'est mon frère, c'est un confrère ivoirien. J'ai rien contre Mix, j'ai rien contre aucun artiste de Côte d'Ivoire. Tout mon problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai eu à faire dans le passé, c'était pour amener mes collègues à travailler. Mais je les ai tous soutenus. Tu produis Serge Benoît, pourtant il fait la même musique que moi qui ai le coupé de Calais, qui ne véhicule pas de messages. Si tu veux produire des artistes qui véhiculent des messages,
Par exemple, tu peux aller produire des artistes du groupement qui sont tout le temps à l'internat, au lieu des petits badis, j'ai les petits jetons et tantam. Tu peux les récupérer, tu as les produits. Même quand tu es en France ici aussi, vieux père, tu, aujourd'hui tu manges en Hollande, tu as beaucoup de vertus ici en France. Que les artistes du groupement viennent ici. Mais tu peux déjà la porte et puis bon job. Il y a les Nigériens aujourd'hui derrière les Américains. C'est parce qu'il y a eu un qui a déjà, et puis tous ses frères job. C'est ça, on dit une famille. Mais nous, c'est la sorcellerie. L'Ivoirien ne reconnaît jamais le bien fait. Il regarde toujours les côtés négatifs. Un artiste ne peut pas être parfait à 5%. Moi, tu m'accèdes pas, il m'en fout de toi, tu ne payes pas ma facture, tu ne me nourris pas, il ne m'aime pas chez toi, il ne m'en pas les couilles. J'ai fait ma musique, je ne veux pas danser. Mais tu as dans un bris, bah, ça prend partout. Je suis le Yoro. Et je me débrouille seul, je ne conduis personne. Moi, mon père, mon Pierre, père à son âme, est mort à cause des Ivoiriens. Pour son pays, il est mort. Il était malade, il l'a appelé pour une tournée de réconciliation pour la paix. Et il est mort. Qui a fait quoi? À part le ministre Ahmed Bakayoko qui a levé 20 millions de francs CFA pour organiser le concert, pardon, ses funérailles. Quel artiste même pour qui il a travaillé? Enlevez au moins peut-être 15 millions pour dire bon voilà, tant. On sait qui a donné qui, on sait qui a fait quoi, on sait qui n'a rien fait. Aujourd'hui on est seul, je suis le seul pour ma famille. Donc ce qui me donne la main là, faut être qui tu veux. Il n'est pas te laisser mettre du sac de mon achat. Moi, je ne mange pas en Hollande. Hein. Moi, je mange dans un restaurant à Tchèque, Gaba, Semedabali. Moi, je suis fatal de ça comme ça. Mon jeton là, mon jeton qui gagne là, c'est mon dieu. Mon petit jeton qui gagne là, c'est mon dieu. Donc, vieux père, ça, il faut respecter ça. Maintenant, vous, les réseaux sociaux là, qui êtes en train de parler là, vous avez la première preuve. Maintenant, si vous amusez encore, il y a mettre même le cachet de tous les artistes. Pourquoi quand il y a les grands événements, vous ne pouvez pas mettre des artistes du coupé décalé? On peut venir jouer en live devant les ministres, les fondateurs, devant des personnalités. On peut jouer en live. Pourquoi chaque fois vous prenez tous des artistes étrangers pour venir jouer chez nous? Est-ce que eux chez eux, quand il y a même événement, même si on veut faire de la balle au Sénégal, est-ce qu'ils vont nous inviter pour venir chanter devant leur président ou bien les ministres? Apprenez à respecter un peu les gens. C'est pas parce qu'on a décidé de changer qu'on est des PDR. Moi, je suis pas un PDR. On pèse pas mon cul. C'est moi, Mougou. Moi, on ne me goûte pas.